Coucou tout le monde, c'est Crime. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo d'un format un peu particulier parce que voilà, j'avais envie de faire un peu autre chose pour ma chaîne et notamment faire des petites séries de vidéos, un peu de vlog pour... alors pas forcément pour vous raconter ma vie, hein, mais plutôt pour... voilà, pour parler des choses qui m'intéressent ou de... pour vous parler, voilà, tout simplement. Et j'ai décidé de commencer cette petite série de vlogs en vous parlant de quelque chose, comment dirais-je... c'est mon petit plaisir honteux à moi. Ceux qui me suivent sur Twitch savent de quoi je parle. Voilà, j'ai honte, mais je regarde Danse avec les Stars. Et en plus de regarder Danse avec les Stars, j'aime Danse avec les Stars. Voilà, j'aime... Je t'avais dit que ça allait être intéressant, ces vlogs. On m'entend même chanter. Du coup, voilà, oui, c'est un petit peu mon kiff du samedi soir. Les robes à paillettes, les danseurs bien foutus, les pseudo-stars ou stars qui dansent sur le parquet, c'est mon truc. Donc, j'avais envie de vous faire un peu, après chaque émission, un petit débrief. Alors, c'est mon débrief, ça n'engage que moi. Je ne suis pas une danseuse professionnelle, je ne suis pas une danseuse du tout. Mais je regarde le programme depuis plusieurs années, et c'est vrai qu'à force, on finit par... pas s'y connaître forcément, mais... voilà, je sais quand c'est beau et quand ça me plaît, et je sais quand ça me plaît pas. Je sais pas forcément si c'est bien réussi techniquement, mais on voit si c'est correctement assuré ou pas. Donc voilà, j'avais envie, après chaque émission, de faire un petit débrief. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais il est où le débrief de la première émission? Et ben malheureusement, j'ai pas pu le faire, donc on attaquera ces débriefs à partir de l'émission numéro 2, qui est donc l'émission qui a été diffusée samedi 6 octobre sur TF1. Donc, comme j'ai pas pu faire de débrief sur l'épisode 1, j'aimerais juste vite fait revenir sur 2-3 choses, les nouveautés un peu de cette saison. Déjà, le jury. Alors, parlons clairement, Patrick Dupont, a rien à dire. Le mec, c'est le dieu de la danse classique, danseur étoile. Le mec, il assure, il sait de quoi il parle. Franchement, il connaît son sujet, il n'y a pas de souci, respect. Pour moi, c'est un peu l'équivalent masculin de Pietragala. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus, je le trouve légitime à 400%. Maintenant, parlons de Shine. Alors, Shine, elle est très jolie, elle a l'air très gentille. Elle a gagné Danse avec les Stars, elle sait bouger son corps, tout ça, mais ce n'est pas une danseuse professionnelle. Elle n'a pas 10 ans de danse de salon derrière elle. Et là, elle juge pas des gens qui savent danser, voilà, elle juge des gens qui sont censés savoir danser des danses particulières, avec de la technique. Et je trouve que c'est... Enfin, je la trouve pas super légitime. Je veux dire, moi, je sais faire cuire des pâtes, c'est pas pour ça que je joue un resto italien, quoi. Ou alors, c'est comme si on demandait à Laurie d'être jury dans un concours de chanteurs d'opéra, quoi. C'est... Oui, elle sait chanter juste, mais elle a pas la maîtrise. Et ben, Shine, pour moi, c'est un petit peu pareil. Je trouve qu'elle a pas la légitimité, pardon, des trois autres. Après, bon, bah... Elle présente bien, elle est jolie, souvent elle est pertinente, c'est une artiste, elle exprime son point de vue d'artiste. Après tout, je suis moi-même en train de donner mon point de vue, sans savoir aligner deux pas sur une piste de danse. J'ai plutôt même deux pieds gauche, aucune coordination entre le haut et le bas, enfin bref. J'ai moi-même pas de légitimité pour pouvoir donner mon avis, mais voilà, je trouve qu'ils auraient peut-être pu trouver quelqu'un de plus... qui a plus d'expérience qu'elle. Donc c'était mon petit avis. Après, la deuxième nouveauté de la saison, c'est la présentation. Parce que si vous avez regardé, ça ne vous aura pas échappé, cette année, c'est Camille Combat qui présente. Et alors là, c'est un festival. J'adore. Alors j'adorais déjà Camille Combat sur C8, mais là, clairement, il rajeunit le programme, il dépoussière tout ça, c'est extrêmement drôle, c'est toujours juste, moi j'en peux plus, j'ai jamais autant rigolé devant Danse avec les Stars que cette saison. C'est de la... Enfin, j'adore. J'espère que TF1 va pas le brider, parce que pour le coup, je pense que vraiment, il apporte un plus, hein, une vraie plus-value à l'émission. Il y a... Vraiment, il apporte quelque chose de rafraîchissant,
de jeune, de moderne. C'est vraiment, j'espère que TF1 va pas le brider. Donc ça, c'était voilà, les nouveautés de la saison. Après, bon, bah, les stars, c'est comme d'habitude. Il y en a des plus ou moins connus. Il y en a dont on n'avait jamais entendu parler avant l'émission. Il y en a qu'on connaît ultra bien. C'est le jeu, hein. On ne peut pas avoir que des personnalités extrêmement connues dans cette émission. Il faut un petit peu de tout. Maintenant, on va revenir plus précisément sur donc cette fameuse émission numéro 2 de Danse avec les Stars, et on va essayer de revenir un petit peu rapidement sur les prestations de, enfin, ce que moi j'ai pensé des prestations des candidats. Donc dans l'ordre, on a commencé donc par Basile Boli avec un jive. Alors, je crois que c'était le jive le plus lent de toute l'histoire des jives, ce qui est quand même une danse assez rapide. Et là, c'était quand même très très lent, hein. J'ai pu décortiquer tous les pas, c'est génial si vous voulez commencer, vous voyez tous les pas et tout. Non, c'est... Bon, voilà, le pauvre, il est footballeur, il est pas danseur, hein. Je pense qu'effectivement, la compétition, il va pas... Même s'il y a une grosse surprise cette semaine à l'élimination, je pense qu'il va pas aller super super. Après, on avait Iris Mittenaar. Alors, Iris Mittenaar. Moi, je la trouve très jolie, très charmante. Elle a clairement le physique pour. Je la trouve moins bonne que les Miss qu'on a pu avoir précédemment, comme Sylvie Tellier. Je l'ai trouvée un petit peu meilleure. Je trouve que elle est très jolie, elle est très, c'est très agréable à regarder, mais je suis pas non plus transportée par sa prestation. Après, on avait Fauve et Terence, je ne sais plus son nom, excusez-moi. Alors, le problème, là, c'est que la star des deux, c'est Fauve. Et que Terence, ben, c'est pas un danseur. C'est-à-dire qu'ils ont... Je pense que là, au niveau du casting, c'était peut-être pas le choix le plus judicieux, parce que clairement, Fauve est beaucoup plus connu que son danseur. Moi, j'avais jamais entendu parler de cet homme-là avant. Alors, c'est un mannequin, très bien. Grand bien lui fasse, il est charmant... hyper bien fait de sa personne, mais un peu comme les jurys lors de l'émission, je trouvais que ça manquait de présence. Fauve, elle lui a dit à un moment donné, elle lui dit je vais te bouffer, et je trouve que c'est ce qu'elle fait. Enfin, pas de sa faute, elle fait ce qu'elle a à faire, mais je trouve qu'il en impose pas assez sur le parquet pour se mesurer à Fauve. Donc à voir la suite. Alors après, alors là, j'aimerais qu'on parle quand même de Moscato. Alors Moscato, il danse comme mon pied gauche, hein, il danse comme une grosse daubasse, mais qu'est-ce qu'il est drôle. Alors moi, toutes les semaines, ils me font mourir de rire tous les deux avec Camille Combal, j'en peux plus. Écoutez, oui, il danse comme un pied, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'il reste le plus longtemps possible. Juste parce que quand ça arrive à lui, son magnéto, j'en peux plus. Je trouve ça tellement drôle, c'est vraiment... Bon, ok, il danse très mal, on le sait, mais putain, il met l'ambiance quand même. Et ça, franchement, ça, j'achète. Sinon, après, alors Anouar. Moi, j'ai trouvé que... Après, c'est le problème, très certainement, un problème de complexe, etc. Mais j'ai trouvé qu'il se prenait pas assez au sérieux. C'est-à-dire que oui, son registre à lui, c'est l'humour, il est très drôle. Il s'est joué de ses différences pour faire rire les gens, etc. Mais il a pas assez confiance en lui, et du coup, il danse comme un passo doble. Il y a besoin de sérieux, et il était trop dans le... Moi, je l'ai trouvé trop dans le délire, etc. Alors autant voilà, avec Moscato, ça me faisait mourir de rire, avec lui déjà un petit peu moins, et puis du coup ça m'a manqué. Ensuite il y a eu Clément. Alors là, Clément, moi j'applaudis demain. Pour moi, clairement, c'est artistiquement, hein, j'entends, c'est mon chouchou de la saison. Je pense qu'ils vont aller très loin, ils dansent très très bien, il y a une vraie complicité avec Denitsa, et je pense qu'ils ont vraiment toute leur chance, parce que pour moi c'est un des meilleurs, enfin c'est eux qui ont un des meilleurs niveaux de la compétition. Donc vraiment, pour le coup, c'est un peu mes chouchous cette année, on verra jusqu'où ils vont. Pamela Anderson, alors je l'ai trouvée très très touchante sur le contemporain, je l'ai trouvée toute fragile, alors c'était pas parfait, hein, ça s'est vu, mais...
Mais l'interprétation était très belle et je l'ai, ça m'a touchée. J'ai vraiment apprécié sa prestation. Donc alors après il y avait Jean-Fille. Il a l'air gentil. Mais alors en danse, ça va être compliqué. Je pense que c'est lui qui a le moins bon niveau de la compétition. Je vois pas comment il peut se transformer en danseur. Enfin, améliorer sa prestation suffisamment pour aller loin dans la compétition. C'est dommage parce qu'il est aussi très touchant et très gentil. Mais je pense qu'il ira pas très très loin. Après, on avait Héloïse Martin. Alors, pour le coup, moi je dis chapeau parce que, mine de rien, ils ont quand même été vraiment un peu salauds sur les bords parce que ils ont foutu des figures imposées à tout le monde et je crois que c'est. Il y en a eu que deux qui ont eu des portées, mais comme l'a dit Christophe Licata, son danseur, le rapport taille-poids était franchement pas très avantageux pour Christophe Licata et. Et le porter comme ça à bout de bras sur Héloïse, moi je suis. Enfin. Waouh quoi, c'était. Bravo à elle, bravo à lui, bravo à. C'était juste magnifique. Et comme l'a dit, je sais plus quel membre du jury, effectivement ça donne de l'espoir parce que. Parce que voilà, si elle le fait, on peut. Il y en a beaucoup qui peuvent le faire. Et franchement, bravo, bravo à eux parce que c'était pas gagné. J'ai trouvé la prod vraiment vache sur ce coup-là. Et ils ont assuré mes larges quoi. Donc bravo bravo à eux. Moi en plus je vous cache pas qu'au niveau des danseurs professionnels, Christophe Licata c'est un peu mon chouchou. Je l'adore, je le trouve drôle, je le trouve frais, je le trouve toujours adorable et extrêmement protecteur avec ses partenaires. Je le trouve en plus il a l'accent du sud comme chez moi. Du coup c'est vraiment mon petit chouchou et j'espère qu'il ira très très loin avec Héloïse cette année. Parce que vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup de voir à l'écran. Alors après, il y avait Carla Ginola. Alors Carla, elle est très très jolie. Mais alors pareil, je suis pas convaincue par ses prestations. La dernière, j'étais pas convaincue. Là, j'ai pas été convaincue non plus. Le jury a apprécié. Moi, ça m'a visuellement pas plu. Alors effectivement, j'ai pas les codes techniques, j'ai pas tout ça. Mais j'ai pas accroché. J'ai pas accroché et voilà, par rapport au résultat, visiblement, j'ai pas été tout à fait la seule. Et enfin, ça a fini par Lio. Alors Lio m'a beaucoup touchée. Je sais pas si c'est totalement sincère ou si c'est joué ou si quoi, mais effectivement, elle est très touchante, très très dans sa fragilité, dans tout ça. Et du coup, sa prestation m'a vraiment, vraiment, m'a vraiment touchée. Donc à voir pour la suite ce que ça donne. Franchement j'aurais pas parié grand chose sur l'IA. Sur Lio, pardon. J'aurais pas parié grand chose sur Lio au début de l'émission. Mais là du coup si c'est. Peut-être que ça va aller en s'améliorant. Donc voilà, ça c'était les prestations des candidats. Après, alors forcément, il y a eu le choc des résultats. Parce que tout le monde s'attendait quand même à ce que au moins Moscato, Basile Boli ou Jean-Fille quittent l'aventure. Et aucun des trois ne s'est retrouvé dans le face-à-face. Ça a été un face-à-face à trois d'ailleurs, qui a été disputé par Anouar, Carla Ginola et Terence. Décidément, j'ai beaucoup de mal avec lui. Et c'est vrai que c'est assez surprenant parce que, effectivement, Carla, comme je dis, elle me convainc pas énormément, ni Anouar sur le dernier prime, mais. Mais il danse quand même mieux que Moscato, Boli ou Jean-Fille. Donc c'est vrai que c'était assez surprenant. Je pense que peut-être il souffre d'un manque de notoriété, surtout parce que c'est peut-être ceux qui sont les moins connus de l'émission. Et du coup, peut-être moins d'engouement pour les votes, etc. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça a été vraiment une surprise. Après, dans le classement même du face-à-face, moi j'avais classé j'avais classé quasiment pareil, j'avais mis. Enfin dans les trois c'était quand même Terence qui dansait le mieux. Donc il était logique pour moi que sur ces trois-là, Anouar et Carla s'en aillent, c'est ce qui s'est passé malheureusement pour eux. Carla était très très triste après, c'est vrai que c'était un peu touchant et un peu triste de la voir comme ça. Je pense qu'elle s'attendait pas à partir si tôt. Et je la comprends hein, parce que.
qu'effectivement, il y avait moins bon qu'elle à la base, mais c'était assez surprenant, mais je pense qu'effectivement, ils ont souffert un petit peu d'un manque de notoriété. Voilà. Effectivement, c'était mon petit débrief de l'émission numéro 2 de Danse avec les Stars. Ce qu'il faut en retenir, voilà, c'est que mes deux chouchous à moi, c'est Clément et Héloïse. Pour des raisons un peu différentes, mais j'aime beaucoup ces deux-là. J'espère qu'ils vont aller très loin. Et pour la semaine prochaine, mon pronostic à moi, c'est... Je vois bien une sortie de Jean-Phi ou de Basile Boli. Ce sera mon... Je vois bien des deux. Je pense que Moscato va rester un petit peu parce que, à mon avis, je ne suis pas la seule qui fait exploser de rire comme ça le soir. Et donc, je pense qu'il va malgré tout et malgré lui rester un petit peu dans l'aventure. Enfin, du moins plus longtemps que ce qu'il croyait. Et du coup, je parie plutôt sur Jean-Phi et Basile. Voilà, j'espère que ce petit débrief vous a plu. Il y aura d'autres vlogs sur la chaîne qui n'auront rien à voir avec Danse avec les Stars ou les Sims. Mais cette petite série, du coup, va durer pendant les 9 prochaines semaines et les émissions, au fil des émissions de Dals. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour plein d'autres choses. Gros bisous à tous!